Plus durer 15 minutes, puisque le doyen des juges ne nous a posé que trois questions, j'y reviendrai. Elle a finalement duré beaucoup plus longtemps parce que j'ai pris le temps de développer mes arguments et de démontrer le complot dont je suis victime au doyen des juges. Donc, au moins sur 1h30 minutes, c'est moi seul qui ai développé et qui ai présenté au doyen des juges mes arguments. Le doyen des juges m'a posé trois questions. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Mais j'ai démontré au doyen des juges en quoi ce dossier était un complot. Et je vais citer les acteurs du complot. La liste n'est pas limitative. Parce que si le doyen des juges daignait creuser encore un peu, ce dossier le mènerait tout droit vers Macky Sall. Tout droit vers Macky Sall. S'il a le courage d'aller aussi loin. C'est ensuite. Les acteurs du complot, c'est d'abord l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. J'ai du mal même à mettre le mot procureur parce qu'un procureur, la dignité d'un procureur ne doit pas permettre certaines choses. C'est ensuite son bras exécutant, le commandant Abdou Mbengue, qui était le chef de la section de recherche en ce moment. C'est ensuite l'actuel commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur Moussa Fall, le général Moussa Fall. C'est Monsieur Mamadou Mamour Diallo, Maître Gabi Sow. Son nom revient, Maître Pape Samba Sow, dit Gabi. Maître Pape Samba Sow, dit Gabi, avocat. Maître Dior Diagne, épouse du ministre de l'Intérieur Antoine Diom, d'après ce qu'on m'a dit. Elle aussi avocate. Et j'ai expliqué, au-delà de ce qui existe déjà dans le dossier, parce que le dossier est à 200% à décharge pour moi. Il ne comporte aucun élément et aucune preuve attestant d'un viol ou d'une menace de mort. Aucun. J'ai dit au doyen des juges. Si vous avez des éléments à charge, mettez-les sur la table. C'est le moment. Il y a une accusatrice. Je suis inculpé depuis 18 mois. Vous n'avez pas osé me convoquer. Aujourd'hui, vous le faites. On a calmé le pays. Et je suis venu tranquillement vous voir. Ce à quoi je m'attends, c'est que vous me disiez, Monsieur Sonko, à partir